Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour une vidéo Halloween. Allez, j'arrête de faire l'andouille. Ah, ça c'était les vieilles vidéos de 2012-2013. L'époque où on mettait les. On filmait avec une caméra, avec Fireflame, et qu'on mettait des citrouilles sur des citrouilles en papier imprimé sous feuille A4. Scotché sur la télé. Sur le côté de la télé. C'est magnifique. Le truc vraiment fait maison à l'arrache. Donc voilà, bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma. On est parti pour une vidéo découverte sur Luigi's Mansion 3. Hop, donc on est parti. Un jeu qui est tout récemment sorti. Qui est sorti pour Halloween, hein, le 31 octobre 2019. Alors, voilà, on fait scénario. Alors je me suis un peu spoilé, j'avoue. J'ai vu l'introduction du jeu sur YouTube il y a de cela une semaine et demie à peu près. Et bon, c'est tout ce que je sais. Après, j'ai pas regardé de gameplay. Ça va être la totale découverte. Bon, du coup, je vais vous laisser la cinématique. Oh yeah. Oh. Oh, here I go. Voilà. On visite un peu les lieux.
Bah, ce que je vois, c'est du 30 images par seconde. Dommage. Ah, c'est un point rouge. C'est un point noir sur le jeu, attention. Ça doit être le hub central, là. Alors, qu'y a-t-il? J'ose espérer que rien ne vient d'entacher la qualité de votre séjour chez nous. Sachez que notre personnel a tout mis en œuvre pour vous traiter comme il se doit. Hé hé hé. Ce petit rire ne me dit rien qui vaille. Alors, évidemment, hein, tous les bagages de Mario et de Peach. Alors, c'est les toads qui se démerdent. Et je débrouille. Attends, on se croirait dans la Casa des Papels. C'est quoi ces masques? Ah, il semblerait que vous ne vous êtes pas encore enregistré. La réception se trouve juste là, sur votre gauche. Allez, enregistrons le fichier sur la carte SD. Welcome, stranger. Alors, bienvenue au repos éternel. Désirez-vous enregistrer? Oui, évidemment. Thank you. C'est pas comme si j'avais le choix. À mes hommages, estimés invités, et bienvenue au repos éternel. Je me présente, Ambre Bruscade. C'est magnifique comme nom. Propriétaire de cet humble établissement. Sachez que je suis absolument ravi que vous ayez accepté ma modeste invitation. Vous devez tous être exténués par votre voyage. Suivez-moi, je vais vous guider jusqu'à vos chambres. Ne vous préoccupez pas de vos bagages. Notre personnel dévoué va s'en occuper pour vous. Vous êtes nos invités d'honneur, ne l'oubliez pas. Nous vous avons préparé un séjour tout compris pour vous fournir l'expérience de votre vie. Sur ce, si vous voulez bien me suivre... Le doubleur de Mario et Luigi, hein, il commence à se faire vieux. On ressent au niveau de la voix un petit peu. Il est plutôt jeune. Les chambres de Peach, Mario et Luigi sont de ce côté. Quant à celle des Toads, hein, des sous-fifres, elles se trouvent dans cette direction. J'espère que vous profiterez bien de votre séjour. Vous verrez que nous avons tout fait pour le rendre mémorable. Wow, c'est joli. Ah, il y a un petit peu de physique, attention. Attention, c'est la physique d'Half-Life. Ah d'accord. Ah. Il a tout en peur. Ah, maintenant voilà, quand il ouvre un tiroir, en mode stress là, oula, en mode attention position d'esquive. Alors, tu veux aller te coucher? Ah, pas direct, je vais un peu visiter. Ah, c'est joli quand même. Est-ce que je peux aller au balcon? Ah bah ouais, d'accord, c'est comme ça, on peut se trafer là. Alors, bouger latéralement. Okay, bah comme dans Luigi Mansion 1. Ah. On peut passer par là. C'est tout rond rond.
Et pour là et toi? Wow, il est obligé de faire. Allez, quand même, hein. Il est obligé de grimper là, et faire son petite escalade là. Pour. Sa petite escalade pour juste allumer le robinet, quoi. C'est magnifique. Allez, je trouve que ce qu'ils avaient réussi à faire là sur Luigi Mansion 1. Et là, c'est d'ailleurs ce qu'on remarque directement, c'est les mimiques de Luigi. Après chaque événement. Ça, c'est plutôt pas mal. Ah bah il peut pas revenir. On est obligé de dormir. Allez hop. Dormons. Hey, j'ai toujours la petite lampe. La lampe du stagiaire. C'est ma paye après un stage. Oh. C'est génial la tête qui tire. Alors qu'est-ce qui se passe? Mamma mia! Je suis arachnophobe. Attends, rentrons dans la chambre de Mario. Hop. Ah bah Makeski avait raison. Hein. Mario, le livreur de pizza. Je sais plus ce qu'il a dit comme connerie. Qui mange notre plombier qui mange des pizzas. Hop. Ah, d'où la physique quand même, c'est assez incroyable. Depuis qu'il y a eu Zelda Breath of the Wild là, Nintendo, ils sont à fond là-dedans. Alors que la concurrence, la physique existait déjà sur PS3 en 2006. No comment. Ah, quoique, j'ai pas tout vérifié quand même. Après, je pense qu'il y a rien, qu'il faut aller à droite, mais bon. Pour le fun. Ah, mais sa chambre, elle est moins bien, il n'y a pas. Ah, d'accord. Un petit jump scare. Ouais, mais sa chambre, elle est moins bien, il n'y a pas de. Il n'y a pas une deuxième petite salle, là. Une petite salle de bain, là. Ah, si, là. Est-ce qu'on peut pousser ça? Non. On peut trottiner, aller un peu plus vite. Je sais pas. Ah, la chambre de Peach. Ah. Voilà, pour ceux qui vivent dans une grotte, évidemment, hein, Luigi's Mansion, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un jeu à la base. Une sorte de petit jeu survival horror, mais bon, parodié. Ça veut dire que c'est rigolo, ça reste du Nintendo. Mais voilà, c'était la prise de risque de Nintendo à l'époque d'avoir sorti Luigi's Mansion sur GameCube. Enfin, le premier jeu de GameCube qui est sorti sur
Le premier jeu de GameCube de chez Nintendo, ce n'est pas un jeu Mario, mais c'est Luigi's Mansion. Et c'était la petite prise de risque de Nintendo, parce que est-ce que les fans, est-ce que ça va plaire aux fans, parce que c'est un style complètement différent des jeux de plateforme. Et puis surtout, bah, c'était pour montrer les capacités à la base de la GameCube au niveau de tout ce qui est éclairage, voilà, avec la lampe torche. C'était déjà bluffant sur la GameCube, hein, avec la lumière dynamique. Oh tiens, tiens, tiens. Ne serait-ce pas le plus remarquable de nos invités de marque ? Je comptais justement te rendre une petite visite. Est-ce que ta chambre est à ton goût? N'est-elle pas tombée raide de bonheur? Mon cher, si tu savais à quel point je suis heureuse que tu aies accepté mon invitation. Pourquoi? Me demandes-tu? Eh bien, c'est simple. Il y a une personne, quelqu'un que j'adore. Sans lui, je n'aurais jamais eu l'idée de vous inviter ici. Je l'admire plus que tout le monde. Tout au monde. Et je tenais à ce qu'il te rencontre. Oui, Luigi, toi. J'espère que tu es prêt. Le roi Bou. Surprise, Luigi, c'est moi, le roi Bou. Ce vieux schnock m'avait mis sous verrou dans son labo. Mais grâce à la charmante propriétaire de cet hôtel, me voilà libre. Quelle chance, n'est-ce pas? Je n'étais pas sûr que tu accepterais cette invitation, mais dans le doute, j'ai tout de même préparé ma vengeance. Qu'est-ce que j'entends par vengeance? Je suis ravi que tu poses la question. Même si tu ne l'as pas posée, enfin c'est pas grave. Après nos dernières mésaventures, j'ai décidé que toi et tes petits amis aviez besoin d'être recadrés. Oh, t'en fais pas, Luigi. Tu ne vas pas repasser ton code. Tu seras bientôt réuni avec les tiens. Ah bah, il recadrait forcément le jeu de mots. J'y ai pas pensé. Moi, ah, regarde ça, n'est-ce pas magnifique? Ne t'inquiète pas, toi aussi tu as un cadre. Il t'est réservé. Maintenant, prends-moi ta pose la plus terrifiée, ne bouge plus. Une moustache, la partie est terminée. Dis cheese. Fichtre. Quel gameplay? Le gameplay à la David Cage? C'est très compliqué. Ah, il y a eu un QTE à la David Cage. Vas-y, Luigi, va dans les ordures! Allez! Oula! Et c'est ainsi que Luigi's Mansion 3 fut achevé. Voilà, il est fini. Voilà, là on va voir le post-crédit. Quelques temps de chargement quand même. Mais ouais, c'est l'un des jeux Switch que j'attendais énormément. Ah. Oula, c'est miteux. Ça me rappelle le manoir de la GameCube. Bah, évidemment, vu que c'est Luigi's Mansion 3, il y a forcément eu un deuxième épisode. Et le deuxième épisode, bah, il était sorti sur 3DS. Donc, moi, j'ai pu le faire il y a quelques temps. J'avais pu finir en seulement 2 semaines. À fond. Il était vachement bien, mais pas aussi bien que celui de la GameCube. Et moi, j'attendais impatiemment
un futur Luigi's Mansion sur console de salon. C'est bon, sur console portable, forcément, c'est moins intéressant. Oh. Ils se sont amusés avec les petits triggers, là. Petit jumpscare. Je sais pas comment on récupère le diamant. Faut voir l'aspirateur. Mais je l'ai pas. Son chien lui fait peur. Et donc d'après la jaquette, dans ce Luigi's Mansion, on va pouvoir contrôler G-Luigi. Donc G-Luigi, qu'est-ce que c'est? C'est la doublure de Luigi. Donc après, à voir ce que c'est. C'est une nouvelle invention du professeur Catastrophe. Attention. Ouh, l'effet avec l'étoile d'araignée, attention, il y a le souci du détail. Oh, ça fait un boucan pas possible. Le son est, il est un petit peu fort du casque. Et bon, moi, on est dans l'ambiance de survival horror, attention. Je peux y aller ici. Putain, même la petite vis, là, on peut la bouger. Ah, ils se sont amusés, Nintendo. Hein. Il y a du ragdoll, il y a de la physique, attention. La fameuse musique de Luigi's Mansion 2. Il faut rester appuyé. Et le faire sur le chien. Après. Ouais, si tu veux. Aïe, pour le repousser. C'est bon, tu as compris. Hop. Et du coup, oh, ça c'est pas mal ça. Cette attaque. Hop. Ah, mais du coup, oui, je me dis, c'est quand même un peu obligatoire, c'est vrai que... C'est logique qu'il y ait de la physique, du coup. Parce que quand même, dans un jeu comme ça, on aspire des trucs. C'est un peu logique. Bon, même si sur GameCube, il n'y en avait pas vraiment. Le strict minimum. Oula, par contre, c'est pas pratique de viser. Il part un peu dans tous les sens là. Ah purée, c'est exactement le même bruitage quand on aspire dans le premier. Quand on aspire les rats. Ah bah ça je suppose que c'est avec la lampe. C'est ça. Ah.
J'ai pas fait gaffe combien il y en avait, il y en a 6 ou 7. Je parlais. Quand on a peut-être. Si on les a tous, je sais pas, Luigi se transforme en super guerrier, comment ça se passe? Bon, je pense qu'il faut revenir. Ah, en fait, il court au bout d'un moment, voilà. Il n'y a pas de bouton de sprint, c'est que. Il court lui-même, quoi. Hop, du blé. Hop. Ah, c'est plutôt rentable hein, de dormir ici, hein, parce qu'on récupère du blé, c'est pas mal. Hein. Je crois que c'était, voilà, c'était ici. Enfin, il me semble que c'était ici. Je sais plus. Ouais, c'est ça, du coup je peux récupérer le diamant là. Ah, faut ouvrir le machin, peut-être faire un coup de lumière. Non, c'est pas ça. Du blé, du fric, du pognon, l'argent des abonnés. Voilà. Ah, et Y, ça fait un autre truc. Ah bon, c'est peut-être une compétence que je n'ai pas encore. Que j'ai pas encore acquise. Oula, cet effet avec les toiles d'araignée derrière, c'est pas vraiment bien fait, par contre. Enfin. Ça reste que secondaire. Par contre, je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Faut débrancher ce truc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être sur le côté. Attends, est-ce qu'il peut frapper comme sur GameCube là? Il peut pas. J'ai pas l'impression. Ouais, il peut toujours appeler Mario. D'ailleurs, on peut pas frapper. Ah, c'est un peu naze ça. Bon, c'est peut-être une compétence qu'on aura acquise plus tard, je sais pas. Et pour l'instant, on peut pas. Hop! Le petit donut. Plutôt sympa la bande-son. Avec de la basse, là. Ah. Enfin, la contrebasse. C'était très compliqué. Ah, un distributeur. Hop, 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 hop. Ah, Luigi fait son régime. Il prend pas, il mange pas les donuts, lui. Hop, il les aspire à l'aspirateur. Il dit, ça c'est pas pour moi, c'est pour mon frère. Je les garde au cas où, après, hop, je peux les ressortir là. Tiens Mario. Tiens Mario, plein ça. On peut pas passer. Ah non. Oula, ça bug à moitié. Bon, on peut pas y aller. Oh la tête. Tête qu'il a. Pourquoi il fait cette tête? C'est à cause des toiles d'araignée? Hop, au tout début j'ai cru que c'était parce qu'il a eu plein de pognon, il était surpris, mais non. Si j'enlève tout. Ah, il y a toujours cette tête. Et quand je vais là, eh bien, il fait plus cette tête. Ah la con. C'est peut-être que ça veut dire qu'il y a un secret et un truc. Ah, le blé, le pognon. Ah, et là, il fait plus la tête. Ah, il fait plus le surpris. Ah, mais c'est peut-être, du coup... parce qu'on a chopé tous les secrets en ouvrant ce truc-là, voilà. Peut-être que quand il fait cette tête-là
Dans une salle, ça veut dire que quelque part il y a un secret pour gagner du pognon. Voilà. Ah bon, d'accord, fallait faire ça quoi. Tout simplement. Ça c'est pas mal ça avec une éternue. Les soucis du détail. Par contre, je sais pas comment on fait pour choper le diamant en dessous là. C'est vachement haut. Est-ce qu'on peut passer en dessous? Je sais pas quoi. Oh, bon, je ne sais pas. Quoique. Il y a une fissure là, il y a une fissure. Des pièges. Ça sent le jumpscare. Ah ouais, pas de jumpscare. Je m'attendais qu'il y ait un fantôme beau qui arrive d'un coup. vous savez, à la Resident Evil Revelation style. Sauf qu'au lieu d'un zombie, c'est un petit bout, voilà. Mais non. Déception. C'est marrant parce que c'est très cubique, hein. Les tableaux, tout ça. Ah. Alors, ils croient que Luigi, il est capoute. Ah, c'est-à-dire que le chien, il est contre nous. Ah, hop. Oh. Voilà, c'est du beat'em all, là. Hop. Ah mais c'est le chien qui dit tout. Il nous prend pour un noob. Hop. En fait il est avec nous chien, bon j'ai pas trop pigé. Ouais, le problème c'est que les fantômes là, ils sont moins sympas qu'avant. Niveau design. C'est le design, c'est ce que je redoutais, c'est le design de Luigi's Mansion 2 en fait. Le design que j'aime moins. Qui fait plus simple, c'est moins détaillé. Sur GameCube, ça avait un design plus... Bah, les différents fantômes étaient vraiment différents quoi. Et je sais pas, le design me parlait plus. Ah. Jumpscare. Jumpscare. Tu te caches. Oh. Oh, c'était pas mal. C'était pas mal comme jumpscare, ça. Et hop. Purée, tout le fric. Pas mal du tout. Ah, il fallait forcément un petit jumpscare. Mais Nintendo n'ont pas fait dans la facilité, ils n'ont pas fait un vieux bruit surprenant ou un violoncelle qui fait d'un coup allez quand il se passe quelque chose. Une trompette plutôt. Ah, la musique.
Un petit remix de... Bah, du coup, ouais, on peut aller qu'à un endroit. Ah, mais si on a tous ces étages, purée. Il est grand, le manoir. Dans la cinématique, il me paraissait pas très grand. Ah, et du coup, là, on est déjà passé, ok. Ah, pas mal, ça. Les billets qui sont cachés là-dedans. C'est rigolo. Voilà, il y a un rat. Je sais pas si les rats ils peuvent nous toucher comme dans le premier. J'en ai pas l'impression là, mais... Peut-être. Ah non, on peut pas changer après là. Ouais. On peut pas aller au rez-de-chaussée. On est obligé d'aller là. Ah oui, mais là, de toute façon, c'était au tout début quand on s'est fait poursuivre par Bou. Il me semble. Quoique. Non, c'est pas ça. Ah, je sais plus. Quelle mémoire incroyable. Ça sert à rien. Bon, attendez. Est-ce qu'il y a un menu avec la carte, tout ça, non, plus? Ok, pour l'instant, il n'y a que ça. Pas très intéressant. On va voir dans guide, paramètres. Paramètres, guide. Paramètres, c'est quoi? Luminosité. C'est vrai que j'ai pas réglé ça. Bon, on va laisser comme c'est. Les commandes. Ah, quoique. Ah bon, en fait il sert juste à passer les cinématiques, le bouton moins, passer. Et c'est pas le select. Puis le menu pause, y a rien quoi. Y a pas de carte, y a pas de truc. Peut-être que c'est plus tard. C'est assez étonnant. Mais c'est vrai qu'au tout début, dans Luigi Mansion 1, on n'a pas de carte aussi. Alors, même si ça arrive assez rapidement qu'on ait une carte. Au bout de 20-30 minutes. À peine. Quand on récupère l'Extoblast 3000, quoi. Là, on est déjà passé. Ouais, mais de toute façon, je peux y aller que là. Ouais, ça sert à rien. Bon bah, je pense que je vais m'arrêter là, voilà, je me suis dit de faire une vidéo de 40 minutes, ça peut aller, c'est surtout que j'ai pas trop le temps en ce moment. Et donc, on se retrouvera pour la partie 2 de la découverte de Luigi's Mansion 3, même si moi je compte faire que, comme ce que j'ai fait pour Sonic Boom il y a des années, de faire 3, je pense que je vais faire 3 parties, et plus tard je ferai un vidéo test. Pour donner mon ressenti sur le jeu, mais je vais pas vous faire un let's play, faire le 100% du jeu, c'est pas le but. Sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures.